Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le 43e épisode du Let's Play sur My Time at Portia. Donc, la dernière fois on s'était laissé, on avait deux quêtes principales à faire. Une où il fallait qu'on aille dans le tunnel, donc qui date déjà de l'épisode 41. Et à l'épisode dernier, on avait une quête avec les arbres. Donc on n'avait plus qu'à attendre, si je me rappelle bien. Voilà, attendre pour les arbres. Et entrer dans le tunnel, oui. C'est bien ça. Donc, lors de la dernière vidéo qui est... Pourquoi ça veut pas... Je veux pas ajouter un animal, je veux ramasser, merci. Lors de l'apparition de la dernière vidéo, donc ça doit être la 30... Non, la 40e, épisode 40, si je dis pas de bêtises. On m'a signalé que j'étais pas obligé de... de caresser tous les jours les animaux s'ils avaient la pastille verte. Or, de chaque jour qui passe, hein, ils repassent en jaune. Donc je pense que je suis obligé de le faire. Pour pas que ça descende trop leur morale. Ou je sais pas quelle influence ça a. Une fois qu'ils sont adultes, je pense juste que bah, ils vont moins produire. Quelque chose comme ça. On m'a aussi dit que ce serait bien que je fasse une seconde forge industrielle. Alors avec le décalage des épisodes, bah, elle y est. Hein, vous vous en rendrez compte. Bah avec l'épisode 41 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que je fais tourner 3 forges pour faire de l'acier. Et bah là maintenant où j'en suis rendu, j'en fais tourner 2 pour le bronze. Vu que c'est ce que je consomme actuellement le plus. Hop. Donc là-dessus il n'y a pas de soucis les loulous. Alors je prends en compte vos remarques et vos conseils, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'avec le décalage de 2 épisodes, je tourne toujours avec 2 épisodes d'avance. Là je tourne le jour où en fait le 41e est sorti. Voilà. Bah du coup ça me décale par rapport à vous. Donc il se peut en fait que vous me donniez des astuces et que je les ai déjà mises en pratique en fait, hein, tout simplement. Donc on va aller chercher notre commission quand même. Et après on ira donc voir ce tunnel. Ça va nous changer un peu, on risque d'avoir un petit donjon à explorer avec certainement des mobs et compagnie. Mais qui va nous changer des ruines. Alors c'est pas hasardeuse, mais vous voyez lesquelles je parle, hein, celles où il y a plusieurs niveaux. Donc, un moteur à eau. 3 morceaux de vêtements chauds. 13 cuirs. Oh là là là. Le moteur à eau, allez, pourquoi pas. Tac. Je vais aller faire vite fait mes petites fléchettes. Et je me suis toujours pas occupé des recettes de bouffe. Du coup, la tarte à la citrouille pour Emily, bah, pour l'instant, je l'ai toujours un peu dans l'os, hein, on va dire. Bon, en même temps, c'est pas forcément ma priorité. Hein, donc... Voilà, j'ai fait le max là, oui j'ai fait le max. Parfait. Ça c'est fait. Allez, on va aller lancer le... On va voir si le moteur à eau on peut le faire direct. Ou s'il faut que je lance des crafts. Et s'il y a des crafts à lancer, on ira de suite au tunnel. Je prendrai mon cheval du coup parce que... En espérant qu'il ait fini son entraînement. Parce que c'est pas à côté, mine de rien. Donc un moteur à eau. Citerne. Moteur à eau. 12 barres d'acier, 4 plaques, petit moteur. Ouais, je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps ça. Donc, petit moteur, j'en ai quasiment plus. Ça, ah ben on va pouvoir lancer le craft. Et il me faudra 2 roulements. Alors, on va mettre ça de suite. Vous voyez, les 12 barres d'acier que j'ai ramassées tout à l'heure, bah, c'est déjà parti. Qu'est-ce qu'il me manque là?
Qu'est-ce que j'ai pas mis? Roulement. Plaque d'acier, c'est fait. J'ai tout mis là? J'ai tout mis, oui. En fait, il y a un truc que j'ai pris qui me sert pas. Hop. Hop. Ok. Alors, les roulements, c'est là, je crois. C'est... Ok, il me faut 8 machins comme ça. Balancer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je me crois sur... Sur arc, j'ai fait F. Du coup, j'ai ramassé le l'atelier. Ok, ça se craft. Ça, on récupère. On va aller ranger ça. Tac, tac, tac. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'était pour quoi faire déjà les 6 caisses? Ah oui, c'est pour les arbres. Donc ça et ça. Ici, on va mettre ça. Tac, on lance ces crafts là. On range, je range un peu tout parce que des fois qu'il y aurait beaucoup de loot à récupérer dans la grotte, on sait jamais. Allez, on va prendre notre cheval. Ah, il n'a pas fini son entraînement, je pense. Zut, 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 zut. Ah, ça m'embête d'arrêter l'entraînement alors que il est presque fini quoi. Il est quelle heure? Il est midi. J'ai encore un peu de temps devant moi. Je vais relancer les fournaises en bois. Voilà. Ça, on est bon. Ici, il m'en reste 4 à craft. Donc, je vais en relancer. Je vais en relancer. Je vais en relancer. Hop. Non, c'est pas ça. Si, d'ailleurs, je vais relancer aussi des plaques. Alors, ici, on va faire 15 de plus. Voilà. Ici, on va faire des plaques. Allez, bim. 10 plaques. C'est pas mal. Du coup, ça retourne là. Voilà. Ce que je vais faire, le temps que l'entraînement se termine, je vais aller revendre mes items en ville. Ça me libérera 3 slots. Ça fera pas de mal. Continue à accumuler des sous. Faudra qu'on pense à l'agrandissement de la maison ou de l'enclos pour pouvoir mettre bah, soit aménager notre maison et pouvoir y mettre plus d'items à l'intérieur, soit si on a agrandi l'enclos, pouvoir comment dire pouvoir mettre le poulailler pour avoir des cocottes hein, et avoir des œufs. Même si je cuisine pas les œufs à l'heure actuelle. Mais on les aura. Le but étant d'avoir un peu tout à la maison, hein, bien sûr. Du coup, la commission, si je vais dans la grotte, je la rendrai pas aujourd'hui, hein, c'est quasiment certain. De toute façon, il faut que les crafts se fassent et pour l'instant, eh ben, il n'y en a pas de fait. Donc toi, allez, t'as presque fini, dépêche-toi. J'ai pas un peu de trucs à ramasser. Voilà. Là, il n'y a rien. Allez, allez, mon gros. Zut!
Allez faire du bois. En attendant. Hop. Voilà. Pas trop utiliser ma stamina au cas où. Allez, ce sera bien. On va ranger tout ça et puis on va y aller. Là, ça devrait être bon. Ça, je le ramasse pas maintenant. Ça. Ben, ça, tu vas là, du coup. J'ai pas la place. Voilà, allez. Cette fois, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Nickel. Allez, c'est parti. Ça va quand même bien plus vite un cheval. Hein. Il n'y a pas photo. Alors même si j'ai pas beaucoup d'endurance avec, mais bon. Ça régène assez vite, ça va. Alors je me demande si on peut aggro les animaux sauvages avec le cheval, tiens. Je vais faire un test. Bah, apparemment, oui. Alors notre cheval n'a pas de barre de vie a priori, hein, mais on va pas prendre le risque. Hein. Ah, il faudrait que je crafte aussi les arrêts de bus pour le désert, mais bon, comme je dis souvent, hein, on peut pas tout faire et on peut pas être partout surtout. Allez, on va descendre. Et puis bon, on va aller voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Arlo, Sam, est-ce que quelqu'un m'entend? On est là. Arlo? Oui, Sam et Mint sont là aussi. On va bien. Juste ciel, je m'inquiétais. Tu faisais bien, on ne va pas si bien que ça en fait. Mint est blessé, l'effondrement a causé un affaissement. On est dans une sorte de passage souterrain et je crois que ça fait partie des anciens puits. Tu veux dire celui qui rejoint la vieille mine? Ouais, celui-là même. Je suis devant une porte verrouillée, essaie de voir si tu peux pas l'ouvrir de l'autre côté. Cri strident, ok. C'était quoi ça? On n'est pas seul, fais vite. Sam, Sam. Allez Soma, dépêchons-nous. Dépêchons-nous de quoi? Quitter le tunnel. Ok. Il n'y a rien ici à récupérer? Non. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, Gail, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Il y a quelqu'un là-dedans? Affirmatif. Arlo, Sam, Mint sont piégés là-dessous. On va passer par les anciens puits pour essayer de les atteindre. Cette vieille mine là-bas, ça va être dangereux. Tiens, prends ça avec toi, je vais essayer d'obtenir de l'aide supplémentaire en ville. Fais attention. Abricot sec, onguent basique. Tu as autre chose à préparer, je t'attends à l'entrée de la mine, fais vite. Ok. Donc, l'entrée de la mine, c'est par où? C'est ici. Ok. Je vais peut-être laisser mon cheval là parce que... Alors tu... Partir, retourner, rester. Tu ne bouges pas. Hop. Au cas où je puisse pas le remonter, je préfère le laisser en haut. Alors, on peut y aller. C'est parti. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Avant la création de Portia, quelques mineurs venaient ici en quête de reliques. Ils pensaient que c'était une bonne idée de miner dans un puits qui datait de l'ère des ténèbres. Mais ils avaient tort, alors ils l'ont condamné. Personne ne s'est aventuré ici depuis un moment.
Prends ça, tu en auras peut-être besoin. Marteau de la brigade civile. Waouh, 200 d'attaque. On va le tester, mais à mon avis, c'est lent, quoi. C'est quoi, ça? 4 de fortitude. Oh, peut-être placé au musée. Ok. Voyons voir un peu ce truc. D'accord, on va tester, mais je suis pas convaincu à 100%. Non, ça me plaît pas. Ok, le truc m'a donné du salpêtre. Pourquoi pas? Et on a du minerai que je ne peux pas taper à première vue. Bon, ça se casse pas, ça. Non. Ok, donc ici on peut régène. Alors, voyons voir le plan. On peut aller à droite. Ok. Là, ça fera comme ça. Là, ça a l'air de pas praticable. Et il y avait peut-être un chemin là, mais j'ai pas fait gaffe. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas y aller. Je vais juste retourner voir là, mais... Bon, s'il y a un chemin, il est en dessous. Parce que là, je vois pas. Donc, en face, à première vue, on peut pas. Donc, à première vue, on n'a pas trop le choix. Hein. Ah, il y a du monde. Ok. Ah, ils font un peu mal quand même, hein, les mobs. Je me suis pris un 100 et quelques de dégâts. Waouh. Pierre de pouvoir dans le wagon. Alors, on avance tranquillou. Ah ouais. Ok, et le dernier. Parfait. Voilà, on s'est parfaitement débrouillé. Là, il n'y a rien à ramasser. Alors, est-ce que c'est moi ou... Non, c'est pas moi. Il y a bien des trucs planqués. Alors, j'ai pas bien regardé partout. Mais à première vue... Ouh, les barres d'acier manganèse. Pas mal. Alors, j'ai intérêt à revérifier... correctement les passages. Vous voyez ici par exemple. Voilà, bon, il aurait peut-être pas fallu que je fasse ça, mais parce qu'à mon avis, si on tombe en dessous, on n'est pas dans le caca. Mais techniquement, il peut y avoir des trucs planqués à droite à gauche. Allez, on avance. Donc là, on descend de plus en plus, hein, au niveau de la mine. Ah, on va remonter. Ah, on va t'aggro toi. Voilà. On va essayer d'en aggro qu'un. Mettre cher. Ils mettent très cher. Pourquoi je le touche pas? Ah, parce qu'il est mort. Ok.
Alors, on peut monter là. On peut prendre ça. Oh, bizarre ce coffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un moteur industriel. Cool. Cool. Alors, par contre, en termes de PV, waouh! J'ai pris la misère. Donc là, je passe pas. On est OK. La caisse me paraît très étrange. On peut pas taper en sautant. Alors, c'est un interrupteur, peut-être pour une porte quelconque. Il va nous falloir des pierres de pouvoir pour faire fonctionner ce truc. Trois pierres de pouvoir, oui. Ça a marché. Voilà pourquoi on trouvait des pierres de pouvoir allumées. Ok. Ça a ouvert là. Donc on continue notre avancée. Oh. J'aime pas ce genre de salle en fait. Est-ce qu'on m'a donné quelque chose pour me régénérer? Oui. Ok, bah... Je vais dire c'est parti, hein. Donc ici, à première vue, y a rien. Bon, on n'est pas revenu à l'entrée là. Non, non, parce qu'on a fait ça, on a fait tout le tour comme ça. Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Par contre, si on repart par là, est-ce qu'on peut ouvrir la porte qui était fermée? En regardant s'il n'y a pas des objets. Ou des coffres. Je suis revenu là. Voilà donc les anciens puits. Je sais que tu peux te débrouiller, mais fais très attention. On raconte qu'il reste des gens de l'époque dans les souterrains, mais qu'ils n'ont plus grand-chose d'humain. Cela dit, on a suivi quelques pistes et on n'a rien trouvé, donc je pense que c'est faux. Mais cet endroit me donne quand même des frissons. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Allez, dégâts qui fait le truc. J'attends de régénérer ma stamina. Ok, heureusement qu'il y a Remington qui m'aide parce que... M'a fait mal. Waouh. Voilà, on l'a eu. Ok. Alors, des petits trucs à récolter. Même pas. Oh, les rapaces. Alors, à moins que. Ah non, il n'y a rien. Hein. Oh, c'est des rats, quoi. Ok, donc j'ai ouvert ça par là. Ah si, là il y a un coffre. Là il y a un coffre. Alors par contre, comment on va y monter?
Waouh! Alors là, va falloir m'expliquer comment on monte là-haut. Hein. Parce que moi, je veux bien, mais... Ah d'accord, c'est complètement buggé. C'est complètement buggé. Bon, c'est pas grave, c'est pas pour un coffre, on va pas en mourir. Celui-là s'ouvre pas non plus. Donc on a ouvert ce chemin-là. Encore des mobs. On va laisser Remington prendre l'aggro après tout. Bon, peut-être pas très efficace dans la prise d'aggro. Ils encaissent hein, ceux-là. Waouh. On a eu du salpêtre. Hein. Ah, les petites compos sympas, mine de rien. Hein. Ok, on arrive à nouveau dans une salle de... Pas de boss, mais de mob quand même. Allez, viens, toi. Allô? Ok. Va te faire toi, là. Nickel. On va te faire toi, là. Le petit dernier qui a l'air à moitié buggé. Voilà. Ensuite, on active ça. Et on prend ça. C'est quoi ça? Un tabouret à coussin. Pourquoi pas? Ça me plaît bien. Et on a un coffre là-haut. Alors celui-là est accessible. On a eu des puces. Des puces en silicone. Très bien. Donc là, on a ouvert encore un chemin. Alors, je ne sais pas si... on va aller voir. Parce qu'on a encore déverrouillé une grille. Mais du coup... Oh! Bah ici. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à faire ici? Y a rien là. Alors, quel est l'intérêt d'avoir ouvert ici? À part tuer le mob. Mystère et boule de gomme. Je vois pas du tout. Ok. Donc on repart. On repart. Et du coup, je sais même pas où je dois aller en fait. Je suis paumé. Paumé. Ici. Ah, mais voilà comment on récupère le coffre. Ah, bah, j'ai eu des soins. Ça, c'est bien. Je vais les reprendre. 7. Voilà. Et on va continuer notre chemin par là. Donc là, on n'a pas le choix, les loulous. On repart là. Bon, je pense que je vais aller. Ah, c'était pas pour la vie, ça, c'était pour la stam. D'accord. Et on va aller prendre le chemin là-bas. Ça apparaît être la suite logique. Ah, ben je peux pas. Ok. Pardon. Alors, où est-ce que je dois aller du coup?
Bah, c'est certainement ici. Je pensais être arrivé par en bas. En fait, j'étais arrivé par en haut. J'ai pas fait attention quand je suis arrivé à ma minimap. Donc, bah, du coup, c'est tout droit par là. Ah, bah oui. Par contre, c'est normal, tous ces cadavres. C'est le gant de boxe de Sam. Ils ont dû passer par là. Sam, Arlo, on doit être sur la bonne voie. Viens. On va les abro un par un. Ok, je suis au point. C'est super. Va faire celui-là. Il y en a encore un là. Vas-y, viens pépère. Et on va faire celui-là. Niveau vie, je suis pas tip top quand même. Ok, là il n'y a rien. Donc là, il faudra ouvrir cette porte. On active ça. Ça c'est fait. Ça n'est pas ça, si. Faut les voir, ils sont bien planqués les trucs en fait, hein. Y a pas de coffre là-haut. Non. Donc là, on va pouvoir continuer. Alors, coffre là-bas. Qu'est-ce que j'ai? Pince rouge. Oh, on a un boss en dessous. Je pense qu'on va pas trop rigoler. C'est une machine, quoi. Bon, stamina, je suis bon, c'est en PV hein, que je suis pas bon, mais bon. Ah bah il y a Sam, Arlo et puis machin là. Rémi, juste attends, allez, occupons-nous de ce truc. Ok, on fait pas de dégâts aux pattes. Alors, il vient sur moi. Allez-y, tapez-le. Alors, on va faire ça. On va régène avec toute notre viande. Voilà. On va reprendre notre épée. Bon, je les laisse faire, hein. Regardez les dégâts qu'ils lui font. En termes de dégâts, ça va, il est pas très violent comme boss. Voilà. Et on a eu, oh, 2 diamants. Pas mal. Ça doit être ce qui a causé les tremblements. C'était quoi ce truc? Moi, je vous laisse lire. Like what you find in the peripheries. Look at all these marks it made on the ceiling. That must have been what caused the quakes. Ok. On dirait qu'on est arrivé juste à temps. Je te le fais pas dire, j'ai bien cru qu'on allait finir écrasé. Tout le mérite revient à Soma, on a dû faire des pieds et des mains pour arriver jusqu'ici. Comment vous vous êtes retrouvé ici d'abord? On cherchait une sortie, Mine pensait sentir un courant d'air provenant d'ici. Cette porte.
Ok, alors avant de partir, les gars, calmez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre, une petite récompense, quoi? Enfin, un machin, quoi. Il n'y a que dalle. Oh là là, le jeu est pas généreux avec nous, moi je vous le dis. Allez. Sortie. Eh ben, on est sorti. Ah ah, c'était terrifiant cette balade. Venez, le maire doit s'inquiéter. Monsieur Gale. Ah! Comment êtes-vous sorti? Il y a mon cheval qui m'attend. C'est une longue histoire, mais on est sain et sauf et on a résolu le problème des tremblements de terre. Ils étaient causés par... C'était donc ça qui provoquait les tremblements. Je n'arrive pas à croire que de tels dangers soient encore tapis sous nos pieds. Je dois écrire rapidement à Tara et envoyer quelqu'un pour inspecter les puits des environs et déceler d'éventuels dangers. Et le tunnel, est-il I récupérable? think so. I'll do an assessment and get back to you. Je pense que oui, je vais dresser une évaluation et je vous tiens au courant. En tout cas, l'important c'est que tout le monde aille bien. Merci pour ton soutien, Soma. Oh, le son qui se déclenche d'un coup. Alors, j'ai récupéré plein plein de trucs et je suis devenu acolyte avec je sais pas qui du coup. Merci pour les compos. Allez, on rentre à la maison. Et on va, il est quelle heure? 19h46. Du coup, j'ai passé 2 journées peut-être. Je sais pas trop en termes de jours in-game ce que ça donne. Alors là. Donc ça, c'est une plante. Donc il me faudrait deux arrêts de bus supplémentaires à crafter aussi. Pour le désert. Voilà. Allez, et tu ne bouges pas. Et on va te faire reprendre ton entraînement. Eh oui. Un peu plus d'endurance, hein, parce que... Waouh. Alors, c'est vrai que j'avais planté ça, là, il y a quelques temps, et... Mauvaise saison. Oh. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va récupérer tout ça, on va ranger un peu nos sacs et nos poches. Et je n'ai pas relancé de charbon. Honte sur moi. Alors, j'ai plein plein de trucs. Alors j'ai ça, oh 16 pierres de pouvoir, ça c'est cool. Un petit moteur, ça c'est barre d'acier au manganèse. J'en ai déjà là, j'ai ça. Ça va dans l'autre coffre, on va mettre ça aussi dans l'autre coffre. Ça c'est quoi? Étoffe, un tissu à moitié terminé composé de fibres naturelles qui sert à confectionner des vêtements. D'accord. Ça, hop. Donc ça et ça, je peux l'amener au musée. Donc on l'amènera demain. J'ai ceci qui peut aller là. J'ai ça et ça ici. À quoi que ça le pètre, hein, je crois que j'ai un petit emplacement là. L'arme, on va la ranger. J'aime pas trop le marteau, c'est trop lent. Même si elle fait des dégâts monstrueux. Ensuite, j'ai mes deux trucs comme ça. On va pouvoir finir ceci. Ok, est-ce que je peux l'amener maintenant? Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est Antoine à première vue.
Ah non, il est dans les appartements de Portia. Bon, on verra ça demain. Alors, du coup, on va continuer notre rangement, puis on va aller dodo. Hein, c'est bien, bien assez pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à ranger? Je vais essayer ça là. Ça ici. Ça, c'est pour mettre là-bas. Ça, c'est avec les os. J'ai ça. Et ça. Et ça à mettre chez moi. Tac. Le miam miam, je vais le garder sur moi comme ça. Je l'utiliserai dès que je peux. Genre quand je vais dans une mine. Voilà. Ensuite. On ira au centre de recherche demain, au musée pardon, pour poser les deux cadres. Et là je vais poser mon petit tabouret. Pour reposer mes pieds. Nickel. Voilà. Et nous, on fait dodo. Allez, on enchaîne. Bon, je pense qu'il y a des chances que ce soit la deuxième journée, juste. J'espère. Alors, on a du courrier. On a trouvé un fourneau électrique. Avec nos disques de données. Donc, vu qu'on doit aller au musée, on ira en même temps au centre de recherche, refaire d'autres recherches. D'accord, on peut récupérer ça. Voilà. Parfait. Les animaux, c'est bon. Le cheval, entraînement. Hop. Tac. Ça c'est parfait. Allez, ça ça va là. Les plaques. Ensuite, on a ceci. Le lait. Les pots. Voilà. Le petit bisou à Emily. Très important. Surtout que je fais plus rien avec elle, la pauvre. Ça fait deux fois qu'elle me demande des cadres, enfin, des objets bien précis. Je lui fournis jamais. On n'a plus fait de rendez-vous non plus depuis un petit moment. Mais bon, j'ai pas le temps en fait. Hein. J'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Hop. Allez, on va aller rendre notre commission. On va aller en prendre une nouvelle. Il y a Isaac qui va chercher la sienne aussi. Alors lui, il tourne au ralenti. C'est pas comme Higgins qui est toujours en train de courir. Polly. Qu'est-ce qu'elle fait là, Polly? Tiens, d'ailleurs. Ah, c'est le jour des contrôles. Il n'y a pas de commission, du coup. Alors, on est parti pour faire les contrôles. Alors, un premier, deuxième ici. Hop, 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 doucement. Et troisième, après. Alors, on a ici, ici et ici. Non, je veux pas te parler. Il y a Higgins qui fait pareil que moi.
Quel copieur celui-là. Alors ici. Pardon, je me suis trompé. Ça arrive. Ici et hop. Après, on a là. On a là. Et voilà, ça c'est fait. Du coup, bah, pas de commission à faire. On va aller faire nos petites fléchettes. Enfin, j'ai mon rituel hein, de tous les jours, de début de journée. C'est vrai que on est réglé comme un... comme une horloge. Alors là, je l'ai jeté n'importe comment, la première. Je sais même pas comment elle a fait pour atterrir dans le... dans le truc. J'ai fait double clic, mais alors à l'arrache. Voilà, ça c'est bon. J'ai oublié de prendre mes disques. Ah, pour le centre de recherche. Donc on va aller chercher ça de suite. Je vais mettre en raccourci mes deux tableaux que je donne pour le musée. Alors, on récupère ça. Et on regardera le fourneau électrique, ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut pour le craft et est-ce que ça vaut le coup? C'est la question que je me pose, vu que les dernières machines, à première vue, il me faut une compo spéciale pour les utiliser. Et ma foi, c'est pas... bah, je l'ai pas, quoi. Je l'ai tout simplement pas. D'ailleurs, je me demande encore combien il peut y avoir de plans à débloquer au centre de recherche avec les data disques. Parce qu'on en a quand même débloqué énormément depuis qu'on a démarré ce let's play. Donc, hop, Petra. Ah bah, encore du 10 disques. Elle nous a donné des notes. Note sur les études menées au centre de recherche permet d'améliorer la production de l'usine. Ah, work in progress. D'accord. Ok, ok, ok. Donc c'est pas encore implanté, mais ils ont déjà des projets là-dessus. J'ai eu... c'est mon deuxième item comme ça, work in progress, dans Maitama de Portia. Preuve que les développeurs sont vraiment au taquet en termes de contenu sur leur jeu, parce que franchement, chapeau quoi. Alors, il me faut prendre mes petits tableaux. Et où est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Ça paraît pas logique. Ce serait plus logique... voilà. Et... voilà. Et normalement, j'ai débloqué une récompense. Voilà. Et j'ai récupéré quoi? Une petite poubelle. Jette tes déchets dedans. Je verrai si je peux la mettre chez moi. Parce que là, j'en ai aucune idée. Alors, ce qu'on va faire, les loulous, étant donné que ça a l'air d'être une journée calme, vu que je n'ai même pas de quête qui en pop, et que je n'ai pas de commission, je vais voir pour faire deux arrêts de bus. Et pourquoi pas regarder ce qu'il faut pour soit pour agrandir la maison ou acheter du terrain. Je sais pas trop. On va passer par AG Construction. On va aller voir. Il est déjà 13h20, ça passe super vite quoi. Alors. Donc la maison, elle est... c'est vrai qu'elle est toujours level 1. On peut mettre un portail, mais on s'en fout un peu. Améliorer. Il faut... ah ouais, on a 42 000 quand même.
Il faut 18 planches en bois dur et 18 barres de bronze. Par contre, à première vue, ça fait une maison qu'on rentre plus dedans. Bon, je pense qu'on va d'abord agrandir le terrain. Je pense, ouais. On va plutôt agrandir le terrain. Et peut-être on va devoir réorganiser tout notre agencement d'atelier de craft. Alors, maison. Ah, je crois que ça coûte une petite fortune d'agrandir le terrain. Si on peut encore, à première vue on peut, il y a un panneau. 30 000, bah allez, c'est fait. Ok, on a gagné tout ça. La prochaine parcelle sera là. D'accord. Donc effectivement, on a de quoi... Waouh, on a de quoi voir venir. Alors, on va regarder aussi notre dernier appareil qu'on a débloqué. Donc le fourneau électrique. Je pense que je pourrais tout faire. Ça j'ai forcément. Noyau industriel, faut que je regarde. Et cuirassé en acier, mais... cuirassé en acier, c'est ça, il en faut quand même 3. Ah. Je pense qu'on peut ramasser nos lingots de fer et refaire des plaques. Avec le petit stock là qu'on a sous la main. C'est vrai qu'on avait fait le broyeur polyvalent. On a aussi la scie polyvalente, hein, mais... C'est vrai que ça, je sais pas ce que c'est, quoi. Pierre de pouvoir concentré. Et je pense pas que je puisse le craft quelque part, hein. Il me semble que j'avais déjà regardé. Pierre de pouvoir concentré. Un cube marron. Ça c'est quoi pour le faire? J'ai bien envie de me lancer dans le... Dans le craft de... De la nouvelle machine. Alors, il me faut ceci, ceci. Et... Donc, argile durcie, les plaques, toutes les plaques que j'ai. D'accord. Ensuite, il me faut deux machins comme ça. Et le charbon, je dois l'avoir sur moi. Donc il faut des plaques, il faut ça, ça, ça. Allez, cuirasse en acier. Il faut 3 charpentes en acier. Oh. 3 charpentes en acier. Bon, j'en aurai une d'avance. Et du coup, c'est 3 comme ça. Et normalement j'ai tout. Donc on va pouvoir lancer le projet. Alors. C'est où? Voilà. Oh, c'est gros, hein.
Alors on va mettre ça... Ah oui, c'est gros. On va la mettre là dans un coin pour l'instant. Et ça fonctionne avec les mêmes trucs. Il faut du minerai d'aluminium. Alors on peut faire de l'aluminium dur et de l'aluminium inoxydable, pardon. Et il nous faut des compos. Ça on connaît, ça on connaît, ça on connaît. On connaît tout. Et on sait où aller le farmer. Donc après, il nous fallait aussi... On avait dit... Alors il faudrait que je fasse ça. Mais ça me demande de refaire un fourneau industriel. Ça m'embête. Même si c'est intéressant. Alors le fourneau industriel... Il est là. Il me faut à nouveau deux noyaux, du marbre, des plaques d'acier. Ma plaque d'acier, de toute façon, j'en ai plus assez. Et des dalles de marbre. Alors, on va le tenter. Hein. Alors, en tout cas, on va tenter de faire le début. Donc, il me faut deux comme ça. Il me faut des dalles de marbre. Alors, je crois que j'en avais refaites. Voilà. Et puis, bah, des plaques. Les plaques, j'en ai encore 11, mine de rien. Faut 5. Ah, mais je peux le faire. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc on a la bête. Et ensuite, on revient en arrière. 6 polyvalentes, donc on a ça. Ah, il faut une scie industrielle aussi. Ah, il refaut 2 cuirasses en acier. Et encore 4 plaques. 2 cuirasses. Alors, sachant que j'ai une cuirasse de rab. Enfin, une, vous m'avez compris, une charpente. Normalement, hein, je peux faire les deux. Ok. Là, j'ai pas de plaques qui se sont recraft. Donc ça, c'est fait. J'ai ça. Et il me faut une scie industrielle. Une scie industrielle. Scie industrielle, il me faut 4 comme ça, 10 barres et 2 roulements. C'était cela. Hein. Et 2 trucs ronds comme ça. Je crois que ça se fait là-dedans, non? C'est cela, mais de l'autre matière. Alors, voyons voir. On va le trouver. C'est ça. Des barres de fer. Il me manque des barres de fer. Hop. Alors combien il en faut? Il en faut 2. Ok. Donc tac. Donc là on peut lancer le projet. Donc c'est circuit, les deux ronds et les barres. Alors, c'est ceci, ceci et cela. Donc, tac, tac, tac. Et on fout les trucs, hein. Et après, on revient par là-bas et on lance la construction de ça. Et donc là, il nous faut ceci. Il nous faut cela. Les plaques et ça. Voilà. Alors, j'imagine que ça va être le même topo que pour l'autre. C'est ça, il nous faut ça. Et on peut faire la même chose avec ça en plus et ça en plus. Ok. Et donc je pense qu'on va bouger ça. Et on va aller le mettre là-bas. Ça pour l'instant, on a toutes nos machines inutiles de ce côté. Alors maintenant, les abribus. Alors les Didi, transport.
Donc, il nous faut des fibres, des plaques de bronze, des tuyaux en bronze et des planches. Il faut ça. Il faut ceci. Et... Et je sais plus. 2, 4, 8. Et des planches en bois dur. Non. Hop. Toi, tu viens là, toi. En voilà un. Et on va relancer un second. Ha ! Il manque une plaque de bronze. Plaque de bronze. Bon, il faut que je relance des tuyaux de bronze, des plaques de bronze. Qu'on va en faire 10. On va faire les 10. On va ranger un peu. Mine de rien, on a foutu un petit peu le bordel. Ça, ça va par là. Là, j'ai tout remis. Ah, il faudrait que je fasse des planches en bois. Mais là, j'ai pas de machine de libre. Les planches, ça se fait pas là. Ah si, ça se fait là. Allez, nickel. Du coup, on peut remettre ça. J'ai ceci. Oula. Pardon. J'ai ça. J'ai déjà un arrêt de transport. La poubelle qu'il faut que je teste où elle va. J'ai ça, à ranger. J'ai trop de trucs à ranger. Donc, parfait. Des aiguilles, il faudra que je m'en refasse parce que j'en ai quasiment plus. On va mettre ça là. Alors, c'est l'inverse. Et ça, je sais pas quoi en faire. Note de recherche. J'ai pas déjà un bouquin quelque part. Ah, d'ailleurs, en parlant de bouquin, on m'a dit que j'avais dans mes coffres un livre qui traînait, que je pouvais laisser à... Voilà, c'est celui-là. Que je pouvais laisser au musée. Et c'est très bien vu de la part de la personne qui m'a donné cette info. Merci à elle. À la personne, hein. Parce que je pense que c'est un homme. je crois pas que c'est Dorine qui m'ait parlé de ça. Je suis pas sûr. Mais dans le doute, hein, on va pas dire de bêtises. Alors, on va relancer du bronze, les loulous. Hop. Non. Nickel. Il est 21h quasiment. Il faut que je relance aussi de ça. Des barres d'acier. Alors ici, ça va être... Hop. Là. Voilà, du charbon. Ah, et si je faisais un peu de ça? Parce que j'en ai quasiment plus. Comme ça, se craft plutôt vite ici. On va en faire pas mal.
Nickel. Et est-ce que j'aurais pas une petite... Allez. J'aimerais bien avoir un craft et finir le deuxième arrêt de transport. On le mettra dans le prochain épisode, mais j'aimerais bien pouvoir le faire maintenant. Alors en attendant que ça se craft, je vais voir si je peux poser ma poubelle. Ce serait marrant qu'on puisse. Yes, on peut. Parce qu'elle a un sens. Ouais, là c'est le bon sens. Nickel. Alors, j'ai un tuyau qui est prêt. Ouais, j'ai des planches, mais j'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux. Le jeu, sois gentil. Ça, faudra que j'aille le mettre au musée. Ça y est. Nickel. Allez. Surtout, je pourrais tout ranger. Voilà, on va pouvoir ranger le petit tuyau de rab avec ça aussi. Parfait. Allez, on va les dodo. Du coup, les loulous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !